merci d'être avec nous sur le www.bigradio.fr. C'est parti pour le grand show de l'info, l'édition du dimanche 22 septembre 2013. Au programme cette semaine, l'essentiel de l'actualité de la semaine ainsi que l'agenda de la semaine, suivi du cumul des mandats, on en parlera. Et puis un reportage autour de GTA 5 qui tient, vous le verrez, ses promesses. A noter que le grand show de l'info, c'est déjà en mai le dimanche et le jeudi, toujours en vidéo et toujours sur bigradio.fr. Allez, l'essentiel de l'actualité à présent, de l'actualité de ce jeudi à ce dimanche, à commencer par Air France qui prépare un plan de départ de 2800 départs volontaires, donc à l'approche de la célébration de ses 80 bougies le 7 octobre prochain. Air France va s'offrir un lifting douloureux alors que la compagnie s'est engagée dans un vaste plan de restructuration. La direction a informé les représentants du personnel lors d'un comité central d'entreprise organisé mercredi. Des détails de ces futures suppressions de postes annoncées fin juillet. Les sénateurs votent le non-cumul des mandats, sauf pour eux. Les sénateurs ont donc voté ce jeudi le projet de loi interdisant le cumul des mandats. On va en parler dans un instant. Et puis, il est le seul chef d'État occidental à avoir fait le déplacement. François Hollande est arrivé jeudi à Bamako, au Mali, pour la fête d'investiture du nouveau président malien, Ibrahim Boubacar Keïta, élu cet été après 2 mois de chaos au Mali. Dans le stade du 26 mars, le chef de l'État a prononcé un discours assez bref de chef de guerre victorieux, très acclamé. L'agenda de la semaine à présent, en tout cas l'agenda de ce lundi 22 septembre jusqu'à jeudi, a commencé par donc le lundi 23 septembre, et la présidente brésilienne Dilma Rousseff qui proposera lors de l'assemblée annuelle de l'ONU à New York d'armer juridiquement les États contre la violation des communications privées. Mardi 24, les défilés de prêt-à-porter féminins commencent à Paris, et ce pendant 9 jours. Toujours mardi, dans l'affaire Bettencourt, la cour d'appel de Bordeaux rend son arrêt sur la régularité de l'instruction. On saura donc si elle valide l'expertise médicale qui a jugé la nonagénaire en état de faiblesse depuis 2006. Mercredi 25, le projet de loi de finances 2014 est présenté en Conseil des ministres à la suite de la pause fiscale promise par François Hollande. Le budget de l'État devrait prévoir 15 milliards d'euros d'économies et 3 milliards de recettes supplémentaires au lieu des 6 annoncés. Et puis jeudi 26, les responsables du projet de la mosquée de Marseille dévoilent le montant des dons provenant d'Arabie Saoudite, du Qatar et du Koweït. Et puis enfin, le tribunal spécial pour la Sierra Leone, siégeant près de la Haye aux Pays-Bas, rend sa décision dans le procès de Charles Taylor. En première instance, l'ex-président du Liberia a été condamné à 50 ans de prison. L'agenda du vendredi 27, samedi 28 et dimanche 29 septembre, ce sera dans le grand show de l'info de jeudi. Allez, à présent on parle du cumul et du non-cumul des mandats, puisque les sénateurs ont donc adopté jeudi 19 septembre le projet de loi interdisant le cumul des mandats électifs, mais en s'excluant du dispositif contre l'avis du gouvernement. En tout cas, cette loi, ils l'ont votée par 208 voix pour et 107 contre. Le texte promu par le ministre de l'Intérieur Manuel Valls, texte qu'ils avaient modifié par un amendement leur donnant la possibilité d'exercer, à la différence des députés, une fonction exécutive locale. Jeudi matin, le Sénat a adopté un autre amendement interdisant en revanche aux sénateurs comme aux députés de cumuler leur indemnité parlementaire
avec une indemnité correspondant à un mandat local. Le cumul des mandats n'est pas le cumul des indemnités, ont expliqué plusieurs orateurs, à l'instar de Jean-Pierre Raffarin, mercredi matin sur RMC BFM. Actuellement, le cumul des indemnités est possible dans la limite d'une fois et demie le montant de l'indemnité de base, soit 5 514 euros par mois. En tout cas, selon les statistiques du Sénat, le 19 septembre, ils sont 79 parmi les 348 membres de la Haute Chambre à n'exercer aucun mandat local. Le Rassemblement démocratique et social européen, à majorité radicale de gauche, à la pointe du combat contre le texte, déjà voté à l'Assemblée, l'UMP, de nombreux centristes et les socialistes se sont prononcés pour le sujet modifié. Les communistes, les écologistes et une grande partie des socialistes ont quant à eux voté contre. Le texte inscrit en procédure accélérée doit à présent faire l'objet d'une commission mixte prioritaire et paritaire chargée de rédiger une version commune, mais les divergences entre les deux chambres sont telles qu'elles risquent d'échouer. Il y aura alors un nouveau vote dans chaque chambre et c'est l'Assemblée qui aura le dernier mot. Manuel Valls a par ailleurs déjà rappelé le caractère inéluctable du projet de loi. Le cumul du tout mandat parlementaire, député, député européen et sénateur, avec un mandat exécutif local, c'est-à-dire un maire, président ou vice-président du Conseil général notamment, sera donc interdit. Députés et sénateurs devraient choisir entre les deux types de mandats en 2017, date à laquelle la réforme entrerait en vigueur. Les députés socialistes Bruno Le Roux a quant à lui insisté qu'en dernière lecture, nous voterons le projet du président de la République qui s'appliquera aux députés et sénateurs. Il a aussi déclaré sur iTélé regretter la position d'un certain nombre de sénateurs socialistes sur le sujet, parmi les 128 membres du groupe socialiste et apparenté. 31 ont effectivement voté en faveur de la série d'amendements leur permettant de garder un mandat local. Je regrette que l'Assemblée soit un peu seule sur les textes qui font progresser la démocratie, a-t-il alors déclaré. En tout cas, malgré leurs efforts, le combat des sénateurs semble bien perdu d'avance, comme l'expliquent quelques journalistes et éditorialistes, mais également donc les politiques, comme vous venez de le comprendre. C'était le jeu le plus attendu de l'année, le 5e volet de la saga Grand Theft Auto GTA est donc disponible depuis mardi. 200 millions d'euros de marketing, des files d'attente dans des magasins vendant le jeu sous le manteau avant sa date de sortie officielle. Cela valait-il vraiment la peine d'en faire autant? La réponse avec le test de Laurent Chicola, journaliste au pôle techno-média du Monde, et donc c'est un reportage d'Olivier Clairmoy. Difficile de faire le menu de toutes les possibilités qu'offre GTA. Machine de guerre vidéoludique, blockbuster de salon, le cinquième épisode de la saga plonge le joueur dans un monde gigantesque où rien n'a été laissé au hasard et où tout est fait pour tuer l'ennui. On a déjà presque 70 missions à réaliser pour la quête principale, mais quand on veut aller dans les chemins vicinaux, il suffit d'aller au bout de la rue pour trouver une activité. On peut s'improviser, soit braqueur, on peut faire du yoga, on peut jouer au tennis. Tout est pensé pour faire de GTA V un méta-jeu en fait. Les développeurs de Rockstar ont vraiment voulu permettre de rajouter une surcouche de réel, c'est-à-dire qu'on se croit vraiment dans un monde connecté contemporain. On a un clone de Facebook, on reçoit des SMS, on a aussi un clone d'Instagram où on peut prendre ses photos et les mettre en ligne. Enfin vraiment, ils poussent vraiment la logique jusqu'au bout en fait. L'immersion, c'est de toute façon la marque de fabrique de GTA. Mais cette fois-ci, Rockstar innove en permettant aux joueurs d'incarner différents personnages. Avec GTA V, on n'est pas juste dans un monde ouvert où on peut faire ce qu'on veut, on a surtout une trame narrative qui est vraiment un scénario qui est vraiment très élaboré et qui repose sur ses personnages. Trevor, c'est une espèce de mélange de Jack Nicholson et de Bruce Willis parce qu'il est vraiment complètement exubérant, violent, il n'hésite pas
vraiment attiré avant de réfléchir. Avec le personnage de Franklin, on a vraiment le sentiment que là, Rockstar est un peu plus dans l'autoréférence, c'est-à-dire que c'est un braqueur de... C'est un voleur de voiture, et donc ça fait vraiment référence à la licence Grand Theft Auto, qui est la base de la mécanique du jeu. Et puis Michael, alors lui, c'est un personnage qui est sous un programme de protection de témoins. Et c'est assez rigolo parce qu'il joue sur la carte un peu à la mafia blues de Niro. Il voit un psy, il essaye de gérer ses relations conflictuelles avec ses enfants, avec sa femme. Et donc ça introduit un élément humoristique assez réussi. You are either drunk or you're staring miserably at the clouds or you're out there doing God only knows what. Bref, on aura compris, par son souci du détail et la liberté totale accordée aux joueurs, GTA V est un peu hors compétition. Un sans faute ? La promesse de GTA est largement remplie. Après, si on a vraiment envie de chercher des défauts, on peut bien sûr en trouver. C'est pas sur la narration ou sur le monde ouvert, mais c'est vraiment sur l'ergonomie, par exemple, dans les combats, et notamment les combats à main nue. On peut peut-être déplorer que Rockstar n'est pas vraiment établi une chaîne, par exemple, pour faire des combinaisons de mouvements. On a vu ça dans d'autres jeux, par exemple Sleeping Dogs, où là, vraiment, cette mécanique-là était très aboutie. Dans le cas de GTA, on en est encore au rudiment. Le personnage est un peu gourd quand il se bat, etc. Mais c'est vraiment sur le fignolage, quoi. À noter que Rockstar a encore quelques atouts dans sa manche. Au mois d'octobre, les fans devraient normalement avoir la possibilité de jouer en réseau sur Internet. De cette émission. Merci à tous et toutes de l'avoir suivi. Je vous donne donc rendez-vous jeudi sur Big Radio pour une toute nouvelle émission du Grand Show de l'Info. D'ici là, je vous souhaite un très bon début de semaine et je vous donne donc rendez-vous jeudi. Merci à tous.